bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui déjà pour le 6ème épisode de notre série de l'été sur Minecraft, sur la map Lucius Island. Je suis de retour, comme vous pouvez le remarquer par vous-même, et bien à ma petite base. Il fait nuit actuellement, je crois bien. Voilà, on est bien d'accord. Et j'avais oublié que... Alors, je vais vous expliquer un truc. J'ai tourné les 5 épisodes la veille. Et donc là, je reprends une nouvelle journée. Donc du coup, je suis un petit peu à l'ouest. Une araignée. Alors attendez, on va se la faire là-bas, l'araignée. Il y en a même deux. Parce que bon, de la ficelle, on en a et ça, c'est cool. Mais si on peut encore en avoir, eh ben, on dira pas non. Hop. C'est Bibi qui régale. Oui. Encore. Parfait. Ah non, il m'a pas looté. Bon bah voilà, une petite ficelle, c'est pas, c'est déjà bien. Alors les amis, un petit truc. Donc regardez, j'ai mis un waypoint là où j'ai trouvé une jungle. Oui, ah oui, j'ai oublié de vous préciser, c'est vrai. Donc j'ai trouvé une jungle, c'est... à 6000 blocs, ok, genre improbable, genre vraiment. Alors dites-vous que si jamais, sur le chemin d'ici jusqu'à là-bas, il y a beaucoup de choses que j'ai pas explorées. Donc si jamais on a besoin de partir pour explorer quoi que ce soit, on pourra aller direction jungle et on pourra, je pense, découvrir... pas mal de belles petites choses. Dormons un petit peu, je vais vous montrer tout ce que j'ai récupéré, bien évidemment. Alors, dans ce coffre-là, j'ai mis un petit peu tout. Donc, le bois de jungle, j'ai pu récupérer du melon aussi, l'épouse de jungle, j'en ai que 3, mais en fait, je pensais qu'il en fallait 4, mais un seul, ça devrait suffire. Cocoa beans, donc pour le cacao, et ça, c'est le reste, tout ce qu'on avait un petit peu récupéré durant notre expédition. Bon, les amis, alors, en vrai, de vrai, j'ai une petite idée. J'ai une petite idée de ce qu'on va faire avant toute chose. Parce qu'aujourd'hui, on va construire notre maison. En tout cas, la commencer. Mais niveau nourriture, bon, on est bien. Mais niveau nourriture, faudrait pas qu'on soit dans le mal pour rien. Donc, ce qu'on va faire, la chicken egg torch, comment on la craft? Voilà. On est d'accord? Ok. Donc, il nous faut ça. Il nous faut... Attendez, bougez pas. Il nous faut des plumes. Donc, les plumes, on va se les faire en tuant les poulets. Et il nous faut de la laine. De la laine. Est-ce qu'on en a encore une? Donc c'est parfait. Donc là on va faire un truc un peu de torture. Mais c'est pas bien grave. Et puis dans tous les cas j'ai tout plein d'œufs. Donc si jamais la torche ne fonctionne pas, parce que du coup la chicken egg torche va permettre de faire spawn des poulets. Mais on sait jamais, peut-être que ça va pas marcher. Donc attention, c'est cruel. Adieu. Désolé. Voilà. Bon, moi je récupère leur chapeau. Désolé. C'est cruel hein. Ce début d'épisode est cruel. Ce monde est cruel, comme dirait Vald. Et ça nous fait 7 cuisses de poulet, très bien. Du coup, on va récupérer ça. On va aussi... Ah, du coup, j'ai plus de hache. Je n'ai plus de hache. Non, elle a pas... elle avait pas cassé. Si... Je sais plus si elle avait cassé, du coup. Putain, parce que j'en ai coupé du bois. Hein. Après, dans la jungle, ça va vite. Hein. Non, je n'ai plus de hache. Ou alors, je l'avais même jeté parce que j'avais plus de place, je crois. Eh bien, écoutez, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, on va s'en refaire une. Et du coup, ouais, comme ça, ça va nous permettre d'agrandir un peu les enclos. Et on va en profiter aussi, attendez, on va crafter du coup ça, non c'est pas, si voilà la chicken egg torch, trop stylé. Et on va en profiter du coup, pour les enclos, pour faire reproduire les vaches, etc, etc. On va casser ça du coup, on en a plus besoin ici. Et là on va être très très bien niveau nourriture. J'ai pensé aussi à un truc en off, c'est vrai hein. Vous savez, on s'est fait exploser par un creeper, je vais vous remontrer un petit peu les dégâts. Alors après, à voir si on fait ça ou pas, hein. Je pense qu'il y aura d'autres endroits où on pourrait faire ça, mais ici on s'est fait péter par un creeper et je vous avais dit, hé, limite on pourrait faire quelque chose ici. Eh ben, il y a un objectif, vous savez, c'est de faire un monument de la victoire. Donc pourquoi pas faire le monument de la victoire à l'intérieur même de ce trou là, ici. Ou alors on pourrait très bien le faire dans un trou d'une montagne qu'on ferait. Ça c'est, je ne sais pas encore, à voir. Après voilà, faut pas oublier que... L'idée, c'est qu'on exploite un petit peu toute l'île, pas qu'on soit regroupé au même endroit, donc on pourrait très bien faire ça ailleurs. Bonjour à vous. Alors, attendez, on va en profiter. Alors, on va garder quelques-unes. Les vaches, venez voir. Tac, voilà, reproduisez-vous. L'enclos, en fait, je pense que de toute façon, on va séparer en deux les moutons et les vaches, une fois que j'aurai réussi à... Vous croyez que je vais réussir à la faire venir un jour, celle-là? Viens voir. Mouton. Mais hey, je vous jure, hein, ce mouton il est bloqué, hein, il est bugué, hein. Il veut rien savoir. Hein. Il veut rien savoir du tout, lui. Hein. Aïe, aïe. Oh, alors là par contre, faut pas foirer. Allez, vas-y, viens. Là, il faut surtout pas foirer. C'était inespéré. Ah, je vous le dis, c'était inespéré.
Quel plaisir. Allez, maintenant on fait un petit peu tout le tour. Me perds pas, viens. Voilà, parfait. Bonjour à vous. Regardez, les pommes, elles poussent. C'est trop bien, le pommier aussi, là, c'est... Ouais, franchement, niveau nourriture, on n'aura plus à craindre grand-chose. Par ici. Par ici. Oui. Oui, c'est bon. Donc, ce qu'on va faire, on va séparer en deux vache et mouton, et on va faire la séparation. Eh, elle est mignonne. Eh, une vache avec une tête de cochon. Alors, attendez, parce que là, du coup, ça m'embête un petit peu. On va mettre, pareil, une fence ici. Alors, les deux vaches. Ah ouais, putain, là, ça va être chiant. Là, ça va être chiant, mon pote. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça. Bon, bah, je crois qu'on l'a dans l'os. Je crois qu'on l'a dans l'os, la séparation. On va peut-être oublier. Parce qu'en fait, pourquoi je veux faire une séparation? Parce que du coup, si je mets ça, là, le feeding trough... Comme les deux animaux mangent du blé, bah ils vont se voler le blé et ils vont pas se reproduire. Ce qui m'embête un petit peu. Attendez, attendez, les deux moutons sont à part. Ah non, non. Non, non, attendez. Il y a moyen de faire un truc. On va essayer de les piéger. Bon, au pire, la vache, on la bute et puis... Non, non, non. Oui. J'ai réussi. J'ai réussi. Il y a une vache, mais c'est pas grave. La vache... Oh la vache, on va la tuer d'ailleurs. C'est quoi? Pas de pitié. Comme ça, on récupère sa tête de cochon, non? On n'a pas récupéré sa tête de cochon? Attends, ne bougez pas. On a plein de têtes, hein, du coup. Hein. Là, non. Non, on n'a pas de tête de cochon. Très bizarre. Oh, trop bien! On va garder ce chapeau, tiens, les amis. Parfait. Est-ce qu'on n'est pas frais, là, comme ça? Ok, donc ça, c'est cool. Priorité sur les vaches et non pas sur les, et non pas sur les moutons. Du coup, attendez. Du coup, on va mettre la feeding trough de l'autre côté. Hop. C'est pour vous. Du coup, maintenant, on n'a plus qu'à faire les poulets. Du coup, ah, c'est vrai qu'à la base, c'était ça qu'on voulait faire. Alors, l'enclos à poulets, dites-moi. En fait, c'est pas non plus si grand, quoi. Hein. Mais bon, après, il faut faire un petit enclos à poulets. J'ai pas envie de faire un truc gigantesque. On pourrait, voilà, très bien faire ça, là, en fait. À côté du pommier. C'est mignon, hein. Le pommier là, il est décoratif entre guillemets parce que on mettra des pommiers là-bas. Hein, vous inquiétez pas. Du coup, et ben voilà, on va faire ça comme ça. On va utiliser l'arbre. Oh ouais, c'est trop mignon. Ah mais attendez, la magical torche, ça les fait spawn dans un rayon de 16 blocs. Ah, ben dans ce cas-là. Eh mais on va oublier. En fait, c'est encore mieux qu'un spawner. Il y a même pas besoin d'enclos. Ils vont se balader partout de toute façon, donc. Donc on pourrait les tuer à l'infini. Non mais c'est bon, il n'y a pas besoin d'enclos. Du coup on va foutre ça là, genre bah là en fait, tout simplement. Regardez, hop. Voyons voir. Ouais, il y a rien à faire je pense. Je pense que ça... On verra, de toute façon si on voit plein de poulets en liberté, on saura d'où ça vient. Peut-être une torche. Faut peut-être allumer avec un briquet. Parce que visiblement il se passe rien. Peut-être, hein. On va voir. On va voir de ce pas, puis ça tombe bien parce que du coup on voudrait se faire un petit briquet. Ah mais du coup j'ai dû jeter mon silex. J'ai jeté mon silex parce que j'avais pas de place. Oui j'avais plus de place dans mon inventaire. Ah là 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 là. Quoi? J'ai pas une inventory Twix mais je peux quand même ranger mon inventaire. Bah d'accord, je viens de découvrir gravel. Mais attendez, mais j'ai pas de gravier. Ah si là. Pardon, excusez-moi. Oui, non, j'ai pas de silex. En fait, j'ai jeté mon silex parce que j'avais plus de place dans mon inventaire. Je crois. Donc là, on va juste espérer avoir du gravier. Sinon, je vais me fâcher. Parfait. Hop, hop. On va essayer, hein. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je pense. Pas du tout. Bon, bah, tu vois, comme quoi, peut-être que ça ne va pas marcher. Je ne sais pas. On verra, en tout cas, si ça fonctionne ou pas. Dans tous les cas, j'ai suffisamment d'œufs pour faire éclore des petits poulets, donc pas de problème à ce niveau-là. J'ai cru entendre une poule. J'ai cru entendre une poule, mais c'est complètement faux. Bon, les amis, on va pouvoir s'attaquer au début de la construction de notre maison. J'ai absolument plus aucune place dans mes coffres. Attendez, ça, on va faire cuire. Hop, parfait. Ça, je peux pas ranger.
C'est assez frustrant, mais c'est pas grave, on va utiliser le coffre de dehors. Alors, de toute façon, on va récupérer ça. Donc, on prend ça, le bois de jungle, du coup, ce qu'on va faire en parallèle. Du coup, comme j'ai pris les pousses, c'est qu'on va quand même planter juste ici du bois de jungle, si jamais on en a besoin. En vrai, je pense que j'ai suffisamment de blocs, mais sait-on jamais, même pour faire les cultures de cacao bean, ça pourrait être plutôt pas mal. Donc, excusez-moi, je perds un petit peu ma voix. Ça, c'est fait, parfait. Les vaches vont se reproduire entre elles de manière autonome, et ça, c'est cool. Ah, attendez. Attends, dégage, toi. Il nous faut le bois de birch. Et le bois de birch, je n'en ai pas beaucoup. On va quand même prendre le bois là aussi tant qu'on y est. Et donc là vous allez voir tout l'intérêt du truc, hein. Comme dit, on va pouvoir swiper l'inventaire comme ça de manière super facile, rapide, pratique. Alors, voilà. Donc c'est plutôt cool. Hop, donc on va recouper du bois de birch, hein, vous inquiétez pas. La cobble, on va prendre de la cobble. On va mettre ça là. J'ai un peu organisé mon inventaire pour vraiment faire ça au mieux. Hop, la bouffe bien sûr, très important. Bon, on va déjà partir là dessus en théorie. Ah, et là il me faudrait quoi? De la rain gutter, et pour de la rain gutter il faut des iron nuggets. Et ben parfait, puisque du coup nous avons pas mal de fer. Il faut crafter quoi aussi? Big paper wall. Ça on fait comment? Ok, facile. Par contre, comment on fait ça? Glass pane? Ok, ouais, boy. Ah ouais, ok, donc il nous faut aussi pas mal de sable. Ok, bon, écoutez. On n'est pas dans la main, on n'est pas dans la mouise. Hein. Non, c'est bon, tout va bien, de toute façon. On va juste se refaire une pelle, parce que je crois que j'en ai plus. Et on est enfin parti, les amis. Bon, ça va, ça fait à peine 10 minutes qu'on a commencé, on a le temps. On a le temps. Allez, c'est parti, mon kiki. On va se mettre à notre petit coin de paradis pour construire notre maison. Donc, je sais pas encore comment je vais la faire, très sincèrement. Mais on va la faire et ça va être plutôt sympa. Hop, je récupère un petit peu de sable en passant, sans trop dénaturer le paysage. Avec un magnifique coucher de soleil. Incroyable. Hop là, le petit screen. Boum, c'est carré. Les cactus qui ont bien poussé, ça fait plaisir. Ici, on aura de quoi se faire un petit portail du Nether. Là, il y a plein de bois de birch. Parfait. On va dormir, on va couper le bois de birch en toute sécurité. Par contre, vous savez quoi? Ça me stresse là, ce waypoint, et je pense que vous aussi. Du coup, hop, on va en attendant le disable. Ça ne veut pas dire qu'il est supprimé, mais juste, on ne le voit plus. Alors, c'est parti pour le petit bois. Et après, on sera tout simplement carré. En plus, c'est bien parce qu'on n'est pas encore monté par ici. Alors, il y a peut-être des choses à voir. Je sais pas. Je suis pas convaincu qu'il y ait grand chose. J'ai cru qu'il y avait une mine. Il y avait encore du bois où là? Il y avait pas du bois là? J'ai dû rêver. C'est vrai que le bois de birch se fait quand même relativement rare, j'ai l'impression. Ouais, des fleurs. Oh, des moutons! Il y a des moutons ici! J'ai pas pris de cisaille sur moi, dommage. Mais attendez, mais il y a tout plein de moutons! Oh! Oh, j'ai bien fait de venir! Bon, attendez, c'est pas grave, il faut qu'on se refasse des cisailles, hein. Ce serait dommage. Il nous faut de la laine et tout en masse, donc. Non, non, pardon, pardon! Je voulais pas te taper. Ok, l'autre mouton vient par là. Viens par là, mon pote. Oui, merci. Il y en avait d'autres encore, je crois, attendez. Oui, mais attendez, mais c'est trop bien. Voilà. Oh, mais c'est sympa par ici. Là-haut. Mais il y en a tout plein. Il y a tout plein d'animaux en fait. On a une belle vue. Bah écoutez, on n'est pas encore monté en haut d'ici, donc on va y aller, on va en profiter. Je pense qu'on fait bien. Allez mon pote, toi par contre tu vas pas pouvoir brouter de l'herbe par ici. Hein. Ah, c'est trop cool. Hey, elle est sympa cette montagne par contre. Je la trouve mieux que l'autre. Je trouve. Waouh. Eh bien voilà. Ça n'a servi à rien, mais en tout cas, nous y sommes. Incroyable. Incroyable. En vrai, cette map est magnifique. Hein. Il y a un poulet. Ça va le poulet? On va le laisser en vide, c'est quoi? On va le laisser faire sa vie, mais... Au calme, le mec, il est là-haut, quoi. Il y a des oiseaux.
Enfin non, c'est une mouche. Aïe. Allez, on va faire ce que tout le monde attend. Construire. En tout cas, commencer notre demeure. Je pense qu'on va faire un petit travail de terraforming encore. Enfin, très rapide parce que, en vrai, entre nous, il n'y a pas besoin. Après, avoir la grandeur du... Je veux pas faire un truc sur pilotis non plus, mais si on n'a pas le choix, c'est ce qu'on le fera, quoi. En fait, ce qu'il faudrait, là, déjà, pour commencer... Ouais, c'est ça. Ce qu'il faudrait pour commencer, les gars, il faudrait... Comment on dit un sol? Comment on fait un sol? Enfin, comment on dit en anglais sol? Purple stool. Qu'est-ce que c'est que ça, stool? Ouais, faut le faire en slab directement, ouais. Ok, on va faire ça. On va faire des slabs. Puisque du coup, les murs de ma maison, j'avais dit que je veux que ce soit en jungle. Et les toits et les trucs comme ça, ce serait en birch. Du coup, le plancher de ma maison. Bah, on va le faire en birch aussi, je pense. Parce que... Pour faire contraste avec le clair. Alors ça m'embête parce que vraiment au niveau birch... Ah, il y en a tout plein là-haut. Il y en a tout plein là-haut. On va... On a de quoi faire, c'est bon. Ok, du coup, on va commencer par le plancher. Et on a du pain sur la planche. Du coup, hop. On va se mettre ici. Ah, bah, je peux peut-être utiliser ça. Parfait. Hop, 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 hop. On va voir comment on va faire. Moi, je verrai bien le truc. Tout ça, ça dégage. Parce qu'en soi, la maison pourra pas être non plus très très grande, mais moi je veux pas qu'elle soit petite, hein. J'ai pas envie d'étouffer dans ma maison. Mince. Eh ben, ça commence mal. Hop. Donc, en vrai, on va faire déborder la... On va faire déborder, hein. De toute évidence, on va faire déborder, ça va être trop bien. Ça va être trop bien, mon pote. Oh, les gars, je sens qu'on va kiffer. Mais on va kiffer de ouf. Bon là je suis tout seul hein, pour le build hein, donc vraiment soyez indulgents, mais on va, vous inquiétez pas, faire en sorte de faire un truc de ouf. Et d'ailleurs ça me donne des idées, peut-être que j'exagère un peu, mais ici on pourrait faire un sous-sol avec une fenêtre et une vue en dessous. Mais peut-être que j'exagère un peu et que ça ne marchera pas, donc oubliez ça. Mais c'est vrai qu'il y a moyen de se faire un truc sous l'eau avec une vitre qu'on puisse voir sous l'eau. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre un géant aquarium ou quoi? Oh, ce serait insane hein. Franchement, il y a moyen de faire un truc comme ça. Alors, vous avez vu, je préfère vraiment prendre mon temps à faire les slabs pour pas gaspiller pour rien, tu vois. Là, on va pas aller plus loin d'abord pour voir comment ça rendrait comme ça. Parce que là aussi, j'aimerais bien qu'on aille là. Alors, on va pas faire une maison toute carrée. On va quand même lui donner une forme, je pense. Là, j'aimerais pas aller plus loin que là, sincèrement. Par contre, là, on peut déborder. On peut déborder ici. Et on va faire la maison en L. Du coup, je pense, on va la faire en L. De sorte à ce que quand on arrive là... Ouais. Attendez, je réfléchis, en fait. On peut se la tenter en... En L. Dans ce sens, je dirais. Vous inquiétez pas, j'ai le truc en tête. Et ça, ça dégage. Tout ça là, je ne veux plus vous voir. On peut la tenter en L dans ce sens. Je pense, donc je suis. Oh mais je suis un cassos. En fait, je suis un cassos depuis tout à l'heure. Si je fais ça... Oh... je vous fais une ellipse, c'est pas grave. Bon les amis, parlons peu, parlons bien. Pourquoi la vie est-elle injuste? Alors, du coup, c'est à cette hauteur qu'on va se mettre. Bien évidemment, ce sera bien bien mieux. Hop, on recommence. J'ai envie de dire depuis le début. Mais c'est bien, ça nous permettra d'y voir un petit peu plus clair aussi. C'est pas plus mal. Alors, hop 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 hop. Je sais, hein, j'ai posé une slab comme un con. Et maintenant pour la récupérer, bonjour de bonsoir. Oh, c'est une galère. C'est bon? Pas du tout. Allez. Hop.
c'est parti, on a encore un stack de slab ici. Donc là, on a dit on fait déborder. Hein. Jusqu'à là, vous savez quoi? Jusqu'à là, pas plus loin. Et on sera pas trop mal. Le soleil se couche déjà, le temps passe vite finalement quand on... Quand on s'amuse, lol. Putain, franchement, c'est plus rapide à placer qu'à enlever. Hein. Ok. Et là, du coup, il n'y a plus qu'à... casser ici. Ouais, au moins, la maison, elle sera quand même plus grande en plus. Du coup, en faisant comme ça, la maison sera plus grande. Et ça, c'est cool. Hop. Franchement, on va être bien, les gars. On va être très, très bien. On va être très content de cette maison. En plus, niveau décoration, tout ce qu'on va pouvoir y mettre, un peu comme sur Tiki Summer, à l'inverse de M'Koolo l'Aventurier, où on n'avait pas beaucoup de mode de déco, et que bah, j'étais un peu triste, quoi. Là, on va pouvoir, mais vraiment, vraiment, se faire un petit plaisir. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Hop, ça c'est à moi. Tac. La table de craft, elle est passée où? Pourquoi je l'ai enlevée? Je ne sais pas. Bah écoutez, je vais tout claquer. De toute façon, je crois que là, on n'a plus de birch pour faire tout comme je veux. Voilà. Ça nous fait un espace relativement bien, très sincèrement. Allez, on peut encore gratter une couche supplémentaire pour les murs, on va dire. Là. Bah là on va faire le L ici alors. On va faire un L intérieur du coup. Vous savez quoi? En vrai de vrai, mais oui, on va faire un L intérieur. Donc ça va nous enlever un peu de place. Mais eh, franchement, vous inquiétez même pas. Vous inquiétez même pas. Bah du coup j'ai claqué des slabs pour absolument rien. Ah bah si, bah, ce sera pour l'étage supérieur. Du coup on va genre là enlever là. Voilà, tout simplement. Voilà, le petit L intérieur. C'est ça, c'est carré. Et là, je pense que ça sert à rien d'aller plus loin. En vrai, on va tricher, on mettra les murs une couche après. Du coup, ça c'est bon. On va... Bon, de toute façon, j'ai assez de terre, donc on va reboucher par principe. Et on est plutôt pas mal. Pour l'étage, bah du coup on va tout de suite faire l'étage supérieur. Je sais que c'est le pire truc à faire, je vais pas vous mentir. Non, écoutez, on va d'abord commencer par ce que je veux faire, les jungle bundled log là. Genre, tu fais ça et ça. C'est incroyable. Attendez, je vais pas non plus tout claquer. Voilà, on va faire ça comme ça. Ça ressemble à quoi du coup? Ah, c'est stylé hein. On dirait un peu du chêne. On dirait un peu du chêne. Du coup, on va faire ça là, ici sur les coins, ok? Ouais, ça me semble pas mal. Voilà, on va éviter de se viander à chaque fois. 2, 3, 4, 5. 1, non, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, parfait. Et du coup, l'étage du dessus, si on se la met. Bah, si on se la met là, je peux pas construire. Faut que je la mette là. Aïe. Voilà, on va la. Comme ça, c'est assez haut en plus. Ah, c'est cool. C'est pas du tout étouffant. Ah, c'est trop bien. Parfait. Bon, la maison va être un petit peu haute. Bah, écoutez. Moi je pense que c'est pas trop mal. Hein. Il faut se faire plaisir dans la vie, vous savez. Comme ça elle est pas non plus trop grande, mais on a de quoi faire. Et c'est le plus important. Je suis en galère dans mon inventaire alors que... Parce que j'ai pas le réflexe de switch avec le mod, forcément. C'est pas quelque chose de courant. Voilà, et ben maintenant c'est fini, c'est la merde. Donc bon, bah, il va falloir vite aller chercher du bois de boulot là-bas. Mais là on va être en pénurie de bois de boulot pour faire le toit et les trucs super stylés que j'ai trop envie de faire quoi. Ça c'est terrible. C'est terrible. Eh oui, parce que je disais qu'il y avait beaucoup de bois mais... Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ah, il y en a encore là-bas. Surtout replanter les arbres. Hein. Très important, on va replanter les arbres dès qu'on aura les pousses hein, parce que...
Hop. Je crois que on peut encore en trouver ici, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai cru en voir un. Pas du tout. Là, j'en ai vu un. J'en ai vu un. Ah, même deux, parfait. Voilà. Juste ici, madame, bonjour. Voilà. Allez, on va y retourner. Il doit y avoir des pousses qui ont dû tomber. Impeccable. Ici, que dalle. S'il y en a là. Ok, alors les pousses. On va les bien, on va bien les mettre au soleil là. Qu'ils puissent bien s'épanouir. Qu'il ait bien d'espace. Parfait. Bon, bah nous on va continuer. Hein. Ah, t'entends le bois qui grince, qui craque. Très peu rassurant. Oh, il en faut encore pas mal. Hein. Eh, t'as vu le bois de jungle comme il est parti vite? Oh, mais quel connard! Mais c'est normal qu'on dirait du chêne. Puisque c'est du bois de chêne. Oh, j'en ai marre. Jungle. Bah ouais, ça n'a rien à voir. Oh, je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave. Eh, franchement, ça pourrait même toujours servir pour la construction. Ah putain, mais tu m'étonnes que ça ressemble à du chêne. Je suis vraiment un imbécile, hein. Voilà, on va pas aller plus haut que ça, je pense. Je suis vraiment un imbécile. Et vous l'avez tous vu. C'est ça le pire, hein. C'est que vous l'avez tous vu. Vous étiez en train de vous mordre les doigts. Qu'est-ce que tu fais, M'Kolo? Ah, tout de suite, c'est quand même mieux, hein. Ça ressemble quand même plus à de la jungle. J'en reviens pas. Voilà. Hop. Oh là là, mais j'arrive plus à faire des MLG, je vais mourir. Ok. Est-ce que je tente de sauter dans l'eau ou pas? Oh non. Ouh. Alors là les gars, vas-y, fais le malin mon pote. Fais le malin mon pote. Et tu vas avoir la compote. Allez. On en aura tout juste assez, je pense. Voilà, là je peux sauter dans l'eau. Ouais, on en a tout juste assez, c'est parfait. Formidable. Formidable. Ok, du coup, on va pouvoir redescendre en toute sécurité. On va pouvoir refaire des slabs. On va éviter de tout claquer pour rien, donc on va faire ça étape par étape, hein, quand même. 42. Bah, tu vois, 42, ça devrait pas suffire, mais... Attendez, j'ai encore fait une connerie, je crois. J'ai encore fait une connerie, c'est pas grave, je réparerai ça en off. Putain, ça me saoule. Oh là 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 là. C'est là, c'est à cette hauteur qu'il faut mettre, les gars. Je suis vraiment, mais le pire. Je suis le pire. Et puis, c'est pas là que je veux mettre. C'est après, c'est, ça sert à rien. Oh là là. Oh, je suis, mais. Oh là là, mais je suis tellement bête. Je suis désolé pour cet épisode catastrophique. Voilà. Bref, c'est pas grave, à chaque fois je me trompe. En fait avec les slabs c'est pas compliqué. J'ai du mal à comprendre. Mais voilà, là c'est à la hauteur là qu'il faut qu'il faudra mettre quoi. Donc je réparerai en off. C'est pas bien grave. Là on va s'attaquer à l'essentiel. Savoir faire les murs notamment. Bah du coup je vais tout claquer mon pote hein. Parce qu'on en aura jamais Ah bah si, parce que ça ce sera utilisé. Si on en aura assez, c'est bon. On a assez de birch, c'est cool. Ça fait un peu flipper le bois qui grince. Hein. Si je puis me permettre. Hop. C'est horrible. C'est horrible ce bruit. Ok. On s'en fait encore quelques-unes. Et ça devrait relativement bien le faire.
c'est impeccable. Ok. Franchement, on est plutôt pas mal. Bon, là, du coup, il faut se dire que c'est un poil plus bas, mais ça, je ferai les amis en off parce que là, ça me déprime. Du coup, avec ça, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Visiblement, non. Avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, évidemment, des tables. Voilà, on peut faire énormément de choses. On peut faire une méga torche. Ah oui. Oh, on n'est pas obligé d'utiliser du diamant pour empêcher les monstres de spawn dans un rayon de 128 blocs. Incroyable. Ah oui, on va pouvoir faire des stores pour plus d'intimité. Très bien, très bien, très bien. Moi, c'est au niveau des murs que je voulais voir s'il n'y avait pas des trucs assez particuliers. Alors évidemment, des jungle planks. Là, des jungle wood. Jungle palissade, voilà des palissades. Mais les palissades, on est d'accord que c'est pas pour faire des murs. Hein, qu'on soit bien d'accord, des palissades, c'est des barrières. Bon. Du coup, je pense qu'on va devoir rester sur un schéma un peu classique. À savoir... Bon, enfin, classique. Il est classique, mais... Mais en même temps, ça marche bien. Alors, vous savez quoi? On va partir sur un truc. Bon, pas sur de la cobble. Light gray wool, hein. Sable. Franchement, bon, de toute façon, dites-vous qu'on va faire des grandes baies vitrées comme ça, là. Ça va être insane. Putain, et le craft que ça demande, mon pote. Le craft que ça demande. Par contre. Ah, par contre, il y a un truc qui va pas, là. Ah oui, j'aurais pas le choix de faire continuer à l'extérieur. Je suis bête, j'avais pas pensé à ça. Ok, bah du coup on va faire ça comme ça les gars. On va faire des murs classiques. Mais comme il y aura beaucoup de fenêtres, de très grandes fenêtres, vous inquiétez pas, ce sera carré. Carré de ouf. D'ailleurs, vous savez quoi? Tout ça, ce sera une grande fenêtre, hein. On va pas se casser la tête, hein. Tout ça, ce sera une grande fenêtre. J'en ai marre de poser des blocs n'importe comment. Voilà, une très belle fenêtre ici. Il y en a deux là, il y en a trois là, c'est pas symétrique. Hop, voilà. Ici, ça pourrait être une porte. Ici, on pourrait descendre aussi. Et ici, il pourrait y avoir une porte aussi. En fait, il y aura des portes partout. Concrètement, qu'on soit bien d'accord. What? J'ai pas mis à la bonne hauteur? Attendez. Ah si, c'est normal. C'est normal, tout va bien. Par contre, on va dormir avant qu'on meure. Si vous le voulez bien. Et on va s'en arrêter là pour cet épisode. Moi, je vais continuer en off la construction de la maison. Je pense que vous êtes tous d'accord pour ne pas me voir galérer pendant 106 ans. Parfait, ça a repoussé. Je pense que voilà, vous êtes tous du même avis. On se met une porte là, hein. On se met concrètement une porte là. Voilà. Ici, on pourrait très bien se mettre une fenêtre. Mais fuck. Ah voilà, attendez. Une fenêtre là, une petite comme ça. Voilà. On fait pareil là, une petite fenêtre là. Non, ça c'est chiant. Ça sert à rien. Voilà. Moi je vous le dis. Ok, on récupère. Donc là, il faut que je remette du slab là, entre les. Enfin, c'est chiant, mais bon, il n'y a pas le choix. Il y aura une descente ici, je pense. Donc une petite porte là, comme ça. Enfin, une grande porte, du coup. Là, une belle fenêtre. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Ah ouais, mais attendez, mais... Le mur n'est pas censé être là. Je vais bouillir. Je vais bouillir. Puisque du coup, le mur... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le mur, il va... Oh, mais je suis le pire cassos de l'histoire. Je suis le pire cassos de l'histoire. Le mur est censé être là. Bon, les gars, c'est bon. Vous m'avez compris. On va continuer en off, hein, parce que là, c'est juste pas possible. Je suis trop bête. Je vous le dis. Je suis trop bête.
Bref, les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Un maximum de soutien pour ma psychologie, parce que là, on va pas y arriver sinon. Donc, maximum de pouces bleus. On se retrouve dans 2 jours pour le prochain épisode. Et vous allez voir, la maison aura bien avancé. Et ça va faire du bien, je vous le dis. C'était Mkolo, je vous fais plein de bisous. Ciao tout le monde. Hasta la vista.